A few moments later. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une vidéo qui me tient à cœur mêlant animé, manga et adaptation Netflix. Étant un fan absolu du manga et de l'animé, et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous, prenons-nous un gomme-gomme devant ça. Direct au premier plan, est-ce que ça serait pas le navire de Shanks? Je pense. Ever since I was a kid. Et là directement on a le Vogue Mary. The sea's been calling. Et là on a l'acteur de Luffy. C'est plutôt pas mal. So, I'm setting out to follow my dreams. Luffy au Baratti avec le Vogue Mary. La VO, elle est pas mal. I'm gonna be king of the pirates. Là, on a vu Marineford, qui ressemble fortement aux favelas. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. Et là, Luffy qui rencontre Zoro. En soi, l'acteur, il est pas mal. Bien représenté et inspiré du manga légendaire de Eiichiro Oda. We're heading up to the Grand Line. Là, on a un petit navire qui se balade. Le petit combat de Zoro face à... Le combat de Zoro face à je ne sais pas qui. Treacherous stretch of ocean. Nami, qui est représentée pour ses débuts, forcément. Et le début du manga qui commence évidemment avec Shanks face au serpent de mer. Où il se fait arracher le bras. With bigger islands. Et on voit très bien le chapeau de paille, les cheveux de Shanks. Bigger pirates. Et le bateau avec le voilier en cœur. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Baggy. Baggy qui fait vraiment flipper quand même. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. La petite vanne de Luffy avec Zoro et Nami qui passe bien. Et si on regarde bien, à 54 secondes, il y a le bateau de Garp. Usopp, qui forcément c'est une adaptation, n'est pas représenté à l'identique. Il n'a pas son long nez, forcément. We haven't sailed together for very long. Et Sanji qui n'a pas le fameux sourcil que tout le monde aime tant. But, I know. Mais qui bien évidemment va repêcher Luffy à la mer. Les marines sont bien représentées aussi, on va pas se mentir. Là on a pu voir un petit combat Zoro, Nami, Luffy contre la marine. Usopp avec son lance-pierre, c'est plutôt pas mal. Sanji avec son fameux jeu de jambes. Et sa petite assiette, ça fait toujours plaisir. Et on a le serment sur le tonneau avec le film Nami, Usopp, Zoro, Sanji. Ça, c'est mythique. Alors, la scène du Gum Gum Pistol face à je ne sais plus qui. Moi, j'en suis très loin dans l'animé. Mais alors là, ça... Je suis un peu perdu là. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Et la petite punchline à la fin entre Zoro et Luffy. Ça passe bien. Zoro qui est très très bien représenté en termes d'acteur. 12 seconds later. Bon, on a vu la VO, maintenant on va voir la VF, ce que ça donne. J'espère être étonné, j'espère être épaté, pourquoi pas. Depuis que je suis enfant, j'entends l'appel de la mer. Du coup, je me prépare à réaliser mon rêve. La VF de Luffy, elle est incroyable. L'acteur, la VF, c'est pas mal. Roi des pirates, ce sera moi! Cette phrase-là, l'entendre en VF, ça met des frissons. Ça met des frissons. Buggy, Buggy avec son rire, incroyable. J'ai vraiment hâte de voir Garp en VF. Alors Luffy, en VF ou en VO, je préfère la VO. Ça doit... c'est mieux je trouve. C'est beaucoup mieux. Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Non, c'est faux. Ah mais en VF, Zoro, il est charismatique. Tout comme dans le manga. Et l'animé.
Bon, et bien, One Piece en VF le 31 août sur Netflix, j'ai hâte de voir ça. Ah, je vais le saigner. Alors, ma réaction sur ces trailers, ils sont incroyables, vraiment. Alors, il y a eu énormément de critiques par rapport à Sanji et Usopp, mais franchement, c'est une adaptation. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas copier-coller du manga, c'est vraiment l'adaptation en live action. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, j'ai juste hâte de le voir, parce que vraiment, on sent qu'il y a eu du budget, on sent que les acteurs, ils sont impliqués, et vraiment, ça se voit. J'ai pu le voir sur les publications de Netflix, j'ai pu les voir sur les publications des acteurs, rien que l'acteur qui joue Luffy est vraiment impliqué, on a très bien vu le trailer, c'est juste fou. Et eux-mêmes ont fait une vidéo pour réagir au trailer, ils ont eu les larmes aux yeux. J'ai juste hâte de le voir, j'ai juste envie de le voir tout de suite. Comme la plupart des fans, j'ai hâte de le voir, j'arrête pas de le dire, mais j'ai hâte de le voir. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo avec moi, en ma compagnie. Merci à tous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas le 31 août pour voir les épisodes ensemble. C'était Malcolm et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et de partager si ça vous a plu, ça fera extrêmement plaisir. C'était Malcolm, à la prochaine.